Comment ça va? Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus spéciale, un peu plus différente de d'habitude. C'est la première fois que j'invite quelqu'un sur la chaîne. Enfin non, c'est la deuxième fois, il y a déjà mon frère qui était venu. C'est la deuxième fois que j'invite quelqu'un sur la chaîne. Et cette fois-ci on est avec Lucas, ici présent. C'est mon modèle du jour. Et il sait pas du tout ce qu'on va faire encore, hein. Je lui ai pas dit ce qu'on allait. On va faire un petit photo shooting. Mais j'avais juste une idée et ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Et attends, je l'ai dans la poche, je peux te montrer. On va faire ça. En fait, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un photo shooting de la fumée, genre des fumigènes. Je savais pas trop comment le faire et j'ai eu une idée et je pense que ça peut bien rendre. Donc on voit ça tout de suite. Je pense qu'on a trouvé le spot auquel on va filmer. On est un peu isolé, je pense que c'est bon, on va pouvoir sortir le matos. L'idée de base, j'ai fabriqué des petits tubes, pas en aluminium, un peu en carton, pour foutre les fumigènes dedans. En fait, les petits tubes en fumigène, ils vont nous permettre de les tenir et que en fait, moi je puisse shooter Lucas proprement. Attends, je vais tout poser, on va s'installer. Alors, donc ça, là, on va glisser les fumigènes à l'intérieur, on va les allumer et en fait après je vais faire de la totale impro. Je sais pas du tout ce que ça va donner encore. Surtout, je tenais à le dire, faites ça à plusieurs, le faites pas tout seul, les départs de feu ça va hyper vite. J'ai l'extincteur, j'en ai l'extincteur au cas où. Il y a les allumettes, il y a tout. J'ai prévu une light supplémentaire au cas où s'il fallait l'éclairer. Je sais pas du tout la fumigène comment ça va rendre si il y a besoin de plus de lumière parce qu'il fait pas très beau. Du coup, je vais me positionner là, je vais tout donner à Lucas. Pour les réglages de l'appareil, privilégier la vitesse. J'ai pris une vitesse le plus haut possible, maximale en fait, pour essayer de shooter la fumée le plus rapidement possible. Je veux pas du tout des traînées de fumée. On va faire les premiers essais et je vais voir ce que ça donne. On teste quelle couleur en premier? N'importe, c'est toi qui choisis. On teste neutre. Vas-y, je teste neutre. Un test neutre. Fumigène neutre. T'as pas de briquet. Dès que je te l'allume, moi je vais tout lâcher, je vais reculer. Et tu fais juste, dès que ça va pas en fumée, tu fais une traînée, mais genre un peu plus devant toi. Pas trop haut parce que haut ça va partir, ça va être moche. Bon, premier essai. On va voir ce que c'est. Plus haut. Plus haut le bras. Putain, c'est chaud. Plus haut le bras. Lâche. Non, ça va. Bon, la première c'était un peu dur. Il y a pas beaucoup de fumée en fait qui sort et surtout c'est hyper chaud. J'avoue que t'as dû te brûler les mains. Bah, ça m'a pas brûlé les mains, non, mais c'était très chaud. Les premiers rendus sont plutôt pas mal, je trouve, pour les premières photos. Non, j'avoue, c'est pas mal. Ok, le bras plus haut. Okay. Juste le bras un peu plus haut. Et on voit bien le triceps, c'est cool. Bah, si tu veux, en attendant, on prend le deuxième. Comme ça, il a le temps de refroidir. Voilà, juste histoire de voir. Vas-y, je teste bleu. Vas-y, on teste la bleue. Mais je pensais que ça fait plus de fumée, tu vois. Je tenais à préciser aussi, beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, hein. C'est pas du tout innovant. C'est juste que j'avais envie de le tester pour voir à quoi ça ressemble et voir en fait ce que je veux, on va dire, en shooting artistique. Voilà, je le mets entre guillemets. Pour appuyer, tout à quoi, voilà. J'avoue que la fumée de couleur elle est déjà plus stylée et tout le tube il est devenu bleu. Peut-être sans les lunettes, tu peux essayer peut-être sans les lunettes de soleil. Si tu veux, ouais, on peut essayer sans les lunettes. Je vais tester la troisième photo avec, le pad lumineux. Tu retentes avec une fumée blanche alors? Ouais, si tu veux, vas-y, ouais, fumée blanche, allez, on est parti. Par contre, ça donne chaud, hein. Ouais, ouais. Cette fumigène là. Pas de lumineux, c'est tout simplement juste pour éclairer votre sujet quand il n'y a pas assez de lumière. Et ce qui est cool en fait, c'est que c'est réglable. Donc du coup, vous l'allumez, ensuite vous pouvez régler l'intensité par dessus quoi. Donc voilà, je vais tester, je sais pas du tout ce que ça va donner. On est sur on est sur quoi? On est sur le troisième essai? Ouais. On est sur le troisième essai. Hop. Plus près de toi, ce serait joli vraiment. Le plus près possible, au pire on. Moins de mouvement, plus près de toi. Ah, elle a presque pas fait de fumée celle-là. Ah, dommage. Ah, la fumée reste dedans, c'est dommage. Comparé aux premières, c'est dommage. Voilà, parce que je suis pas un expert, je me suis brûlé le pouce. Donc ouais, là, on va aller aux urgences, c'est très grave, je pense qu'on va falloir couper, amputer. Hein. Ouais, pour l'instant, le plus gros de nos soucis, en fait, c'est que la fumée reste à l'intérieur du tube. Sur les premières, je trouve que ça allait, mais sur les dernières, bon, après, je vous cache pas, c'est pas des fumigènes haute compétition. Hein. Elles m'ont coûté 2€, je crois. 2€ les 6. Ça va le doigt? Bah, il en reste combien? T'es chaud à quand même en faire deux encore ou pas? Ouais. Vas-y, bah, on va finir les deux dans tous les cas. Je suppose que je reprendrai en voix off pour continuer. Vas-y, bah, go. Bien joué.
Ouais, dernier essai, mais en tout cas je pense que le rendu avec la light, je trouve ça passe bien. Je trouve que la light ça passe bien, ça rajoute beaucoup d'ombre et je trouve ça super intéressant sur la photo. Ouais, c'est pas mal, peut-être que les dernières... Regarde. Ouais, ouais. Fumée quand même part. Ouais. En gros, en fait, là, on a terminé les photos et le plus intéressant, je crois que c'était la fumigène bleue. La bleue. La bleue, c'est celle qui a le plus rendu de fumée, en tout cas. Après, comme je disais, c'est des fumigènes, genre, basse qualité, je les ai achetées pas cher du tout. Si, genre, tu vois, les trucs de stade que tu prends, c'est pour allumer. Ouais. Là, tu fais des photos de ouf, je pense. Mais bon, c'est des trucs interdits. T'as pas le droit d'en acheter normalement. Mais bon, voilà, j'étais juste curieux de voir ce que ça pouvait rendre avec des fumigènes, juste comme ça, un peu claqué, si on arrivait à faire une belle photo en fait. C'est le stylé, moi. C'est stylé de test. Elle a bleu, hein. Ouais, les la bleus. Elle a vraiment fonctionné à bord. Celle-là, elle est cool, de toute façon. Celle-là aussi, j'aime bien parce qu'il y a un truc on là. On dirait un chakra à Naruto, là, putain, quoi. Ouais, j'avoue, ça fait un peu chakra. Ouais. Parmi les cinquantaines de photos que j'ai prises, je vous montre les trois qui m'ont vraiment le plus plu. Sur cette photo, j'aime beaucoup la posture et le petit reflet dans les lunettes. Et la fumée, je trouve qu'elle rajoute vraiment un truc sympa à la photo. Ensuite, j'aime beaucoup cette photo ainsi que celle-ci. En fait, j'aime la fumée de la première photo et le regard de la deuxième. Du coup, j'ai décidé d'assembler les deux photos pour donner finalement cette photo finale. La plus réussie de toutes à mon sens. J'aime beaucoup la fumée qui traverse toute la largeur de la photo. Elle est bien épaisse, elle est bien présente. La pose est belle et avec la lumière que j'avais rajoutée, je trouve que Lucas il se détache vraiment bien du décor. Donc du coup, pour moi, ça en fait une belle photo. Bon bah voilà, on a terminé toutes les photos. En vrai je suis un peu déçu du rendu que ça a fait. Enfin je sais pas, je verrai surtout en post-production. Les photos que vous allez voir, moi je les ai pas encore totalement traitées. Je suis grave deg de la qualité des fumigènes. Mais bon, ça c'est aléatoire, je pouvais pas le prévoir. En tout cas ça m'a fait plaisir de sortir cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire et je voulais surtout pas genre la faire et regretter de pas la sortir. Parce que ça peut même aider certains qui veulent peut-être faire les photos et se disent voilà ça va rendre vachement bien. C'est quand même vachement dur, il faut quand même coupler la pose, la fumée, la vitesse. Enfin il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais c'est super intéressant à faire. En tout cas voilà, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Mets un like sur la vidéo, tu fais ce que tu veux comme d'habitude. Abonne-toi. Salut.